à tous et bienvenue sur le canal Austral. Cette semaine encore dans l'émission cuisine, hein, comme d'habitude, comme depuis des années, la cuisine avec pas mal de personnes, un groupe de canal Austral, puisqu'on est en période un peu de semi-confinement, de couvre-feu, etc. Donc ce qui fait que ce soir 18h, il faut rentrer chez soi. Donc du coup, on va faire la cuisine ce midi avec Toto, bien sûr, qui sera à la cuisine, Andina Devi, Krishna, Julie, Alain Palani-Caudin, avec son madame, avec Francis, à tout le monde, tu connais, hein? Et puis après d'autres personnes. Hein? Bernard aussi sera de passage un instant. Et pas mal de personnes qui viendront nous faire un petit steak de cabri. Oui, steak cabri, j'ai jamais mangé ça, un petit steak cabri. Il paraît qu'il est très 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 bon, le steak de cabri. Et puis après, nous aura aussi, pour ceux qui sont en carême un petit peu, parce que c'est la période de carême actuellement, donc une bonne sauce de camaron de mer, mais de mer de la Réunion, hein. Donc pas des camarons à conciel, mais on m'a dit des camarons royales, voilà, hein. Donc du coup, on monte tout de suite et après, dans un petit instant, on démarre cette émission de cuisine là. Allez, à tout de suite. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Bonjour Jean-Claude, bonjour l'équipe. Plus un petit peu l'ail. T'en mets plus l'ail. Toto, t'en fais un petit salade. Comment ça va, Toto? Bonjour Jean-Claude, comment ça va Jean-Claude? Ça va bien, ça va bien. Toujours hein? Avec le confinement, on est toujours dans le canal Austral. Le couvre-feu, ouais. Parle pas de malheur. Ouais, hein? Parce que nous soyons un petit peu bonheur aujourd'hui. Bon, on casse un petit peu bonheur. Nous faisons le midi, d'habitude nous faisons le soir, mais là. Le midi, toujours le midi. Bonjour les amis qui nous regardent aussi canal Austral, parce que c'est toujours un plaisir. Ouais. Un plaisir d'être là et un plaisir aussi qu'il y a des gens qui viennent. Ah, d'accord. Donc, canal Austral est ouvert à tout le monde, tout le temps, midi à ça. Celui qui connaît fait un bon cuisine, il a envie de faire sa cuisine, ben. Il est accueilli, avec le patron. Et avec les amis. Avec les amis, surtout. L'équipe de canal Austral. Andina, qu'est-ce qu'on fait là-bas, à l'autre côté, hein? Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va. Hein? Alors, il paraît qu'il y a une affaire, autant le faire une affaire. Oui. Hein? Autant le faire un petit tartare. Voilà. Hein? Ça, c'est juste un apéro, ça. Hein? Voilà. Vous connaissez que ça l'avait dans le tartare? Je ne connais pas, mais c'est comme nous la commandons. C'est moi la fait. Alors, nous la hache le thon. Mais mon figuier, elle est un petit peu machin. Attends, mets-toi de l'autre côté parce qu'elle a fait trop de soleil comme ça. Alors là-dedans, là, nous la prend du thon frais. Hein? On peut venir un petit peu plus près, elle n'est pas grave, parce qu'après, on entend mieux le son. Hein? Et ensuite, l'avait de Toto, l'avait du fleur de sel. De la fleur de sel. Du poivre en moulin, comme ça, tchac. Hein? Un petit peu d'oignon haché en fines morceaux. Hein? Ensuite, 3 gousses l'ail, hein, merci Krishna. Et ensuite, nous l'avons rajouté à l'intérieur des petits cornichons, hop là, tomatière, hein, des petits cornichons comme ça, hein, dans lequel il avait aussi des petits oignons confits, comme ça. Ah. Voilà, nous l'avons rajouté ça dedans. Nous l'avons pas oublié, bien entendu, comme tout Malba qui se respecte, de mettre un petit peu de coriandre à l'intérieur. Hein. Et il peut utiliser de la coriandre, mais peut-être qu'il y en a quelques endroits, ben, on utilise aussi du persil. Hein. Et puis tout ça bien mélangé avec une huile. Hein. Nous, on utilise de l'huile isocate, mais avec majoritairement un petit peu plus d'olive à l'intérieur. Hein. Voilà, mais il peut utiliser de l'huile d'olive aussi. Hein. Et le tout, c'est qu'il y a un bon petit goût de sel, un bon petit goût de poivre, c'est-à-dire l'assaisonnement, et après, il est bon. Et là, on dit, non, c'est où ça fait? Ça met dans des petits verres comme ça. Voilà. Mmh. Ça, c'est pas un problème. Hein? Avec de la salade un petit peu bizarre. Hein? L'impression que la salade, là, c'est de la salade, les pareils, ils ressemblent. Batavia. Hein? Batavia, ça, alors. Moi, il ressemble aux affaires de cheval, il mange dans le caroucane, là. Hein? L'astron. L'astron. Hein? Donc, c'est où qui ça a fait? Alors, donne pas Julie, parce que Julie, bonnes affaires comme ça, étrange, il reste dans son gosier après. Hein? Donnera pas du tout. Voilà. N'est-ce pas, Toto, comme la semaine dernière? Hein? Les bons, alors, mais Milet, ça vous fait. Okay. Hein? Après, hein? Parce que vous l'avez vu, tout ça, c'est quoi ça? Ah, c'est des écrevisses. Non, c'est pas des écrevisses, c'est des camarons de mer de la Réunion. D'accord. Il y a pas ça, un camaron royal. Autant pour moi, ok. Hein, très voilà, joli, camaron pas, royal, hein. Mais joli, hein. Les sur la glace, hein. Oui, dans la glace dessous. Ouais. Donc il est frais, il y a là. Et après, là, qu'est-ce que ça, où ça fait, tiens, là, Toto? Là, on a des trucs, des steaks de cabri. Des cabri. Hein, que Krishna l'a bien voulu enlève les os dedans. C'est des... Quel morceau de cabri, ça? C'est la cuisse. La cuisse de cabri? Oui. Hein, d'accord. Et en profite, il fait un petit bugger par mon cousin Lélin. Parce que c'est lui, il soigne le cabri, et son cabri, vous l'avez vu, il n'a pas une graisse dessus. Il n'a pas une graisse du tout, mais donc pas manger son cabri.
Non, il donne manger, mais il donne que l'appareil. Le cabriolet bio. Le cabriolet bio. Ouais. Voilà, donc c'est la cuisse, hein. Big up, allez, c'est la cuisse qu'on enlève la chair dedans. Que la chair, ouais. Et là, c'est où ça fait peut-être que ça fait. Non, mais là, c'est les... Tonton Toto. C'est l'île de mon tour, ouais. Ah bon, là, d'accord. Alors, Toto, ah, où ça fait ce steak de cabri, là les... Eh, il paraît que le steak de cabri, ah, là, là, hein. Ça, les dieux, ça, le cabri, là. Comment ça fait ça en steak ou... Ben, de toute manière, on connaît quand il s'y fait, il faut bien les cuire. Il faut bien les cuire. D'accord. Ou à ces zones, allez, pour mettre les cheveux sur la braise, à poil, comment on fait, là. On en a deux façons de faire. Ah. Une façon, c'est déjà. Le cabri, vous faites cuire le cabri, après on assaisonne avec un vinaigrette. Ouais. Et après, on a une façon à l'huile comme nous va faire. D'accord. Et c'est aussi bon le deux. D'accord. Hein. Donc, il change un petit peu. Voilà. Hein. Et avec qu'on dit vinaigrette, c'est qu'un jus de citron dessus. Hein. Comme dans les cérémonies malva, cérémonie tamboul, excusez-moi. Hein. Ah non, tamboul. C'est. Dans les cérémonies, ben là, quand on fait griller. Ouais, quand on fait griller. Quand on fait griller, nous mettons toujours un cabri macéré dans un jus de citron. Ou, il dépend côté, nous pour nous dans l'Est, c'est-à-dire notre cuisine est tellement appétissant, mais dans le Sud, dans le Nord, ben là, on a une façon de faire griller le cabri, il est bien bon. Ah bon? Ah oui, c'est notre méthode. Vous ne l'avez pas goûté? Non, mais toujours, on fait une grande quantité là-bas, et après, Midiao, le cabri grillé, il est excellent. Ah bon, d'accord. C'est parce qu'elle avait la prière sur le cabri ou bien? Non, mais après comme Midiao, la cuisine, là, pas tout le monde y fait pareil. Ah. Et dans l'Est et dans le Sud, c'est de façon différente. D'accord. Par exemple, tout qui dit kahari, tout ça là, ici, on dirait des plus typiques, les affaires. Et après, dans d'autres choses, par là-bas, les bien. De toute manière, nous faisons un groupe, quand il dit dans la réunion, c'est réuni. Bon, réuni veut dire c'est réunion, nous les petits, mais c'est un ensemble de créoles qui connaît, fait pas mal de choses. Mais bon, alors, ok, alors, donc, steak de cabri désossé, et depuis hier soir, on la laisse décongeler. Parce que là, oui, il faut la décongeler. Là, oui. Quelques jours de cela. Bien décongeler. Ouais, ou on enlève la peau sur les os. Non, la peau, tu finis d'enlever le pied. On enlève la chair sur l'os. Et sur le petit peu de chair terrestre sur l'os, là. Je ne vous dis pas, bon, mais on l'a fait un petit massalé moins. Un petit massalé cabri. Plutôt vous, Julie. Mais il n'est pas de l'italien, il va goûter. Il va goûter. Tout aussi, la les scènes, hein? Oui, les bons, alors, ok. Alors, ben, les bons, ça commence dans un petit instant. Hein? On a fait une vidéo de TikTok. Ça vous fait une vidéo de TikTok? Ben, d'accord, alors, ok. Un petit peu de salade au fond du verre. Hein? Et ensuite, le tartare par-dessus. Ben voilà. Hein? Peut-être une petite feuille de menthe ou de coton mili même, hein? Ou même de PSI, PSI pour changer un petit peu le goût par-dessus comme ça. Alors, est-ce qu'on l'a fait assaisonner ça? Hein? Oui, il est assaisonné, tout est assaisonné déjà. Donc, et là, ça casse citron dans la cour. Hein? Ouais. Citron, là, il est très, très juteux et très citron goûteux. Rangé. Voilà. C'est bon? Mais ça cassé, c'est bon? Allez. Krishna, allons casse citron. Allez, allons casse citron. Où la vie mon mur rouge à l'arrière. Okay, c'est un mur rouge. Hein. Ah, c'est les toilettes handicapées que nous l'a fait. Qu'est-ce qu'on va dire quand l'arrivée quand l'arrivée, qu'est-ce qu'on va dire? Moi, comme ça, on a une chapelle devant. Une chapelle devant, m'arrivée, me dit, ah, t'es là, je lui chapelle quand l'arrivée. Là, le pied citron, t'es là. Ouais. Ah, voilà, on a un citron là. On a un citron partout là. Et ça, c'est bon qualité citron. C'est bon qualité citron? Ouais. Ça, vous pouvez faire le jus, vous pouvez faire... Papa, tu me donnes un poquet. Vous n'avez pas fait, hein? Ah, non. Bien chargé, hein? Mais tu prends tout ça? Ça prend avec le rhum, ça, hein? C'est ça, mettre dans le tartare. Pourquoi précise, hein? Non, parce que les gens, ils disent... Ah! Non, c'est ça, mettre dans le tartare. Ben bon. Après, on va voir ce que nous préférons avec le reste. Hein? Ouais, ah bon? Peut-être un petit citronnade. Voilà, un petit citronnade. Un citronnade. Mais bon, okay. Allez alors. On va voir comment il est citronné à l'intérieur, hein, ce oui, citron-là. Hein. Enfin, ce citron est citronné, super, il est orangé. C'est un super goût, en fait. Ah, le goût est bien.
Et là, nous mettre dessus comme ça, mais nous pèse pas le jus parce que vous connaissez, vous mettez le jus tout de suite là. Hein, il va venir blanc après. Hein. Donc il faut pèser au dernier moment jusqu'en. Quand on va manger. Voilà. Ça, c'est comme cette entrée, ça. Hein. Et pendant ce temps, Toto, ici, tu en prépares toutes ces bonnes épices, l'ail, poivre, piment. Et ils mettent piment dans ce steak, oui? Non. On ne met pas. Non. Nous avons une sauce, un petit rougail, tomate et cotomili. Hein, tomate, cotomili. Pour une fois, nous avons cotomili, parce que vous connaissez que cotomili, actuellement, n'a pas bon pile. Hein. Hein? Là, nous avons gagné un petit cotomili, là. Puis la pluie tombe pas trop ici, là. La pluie tombe pas trop. La pluie tombe pas trop, mais. Il est tellement tombé. Il est tellement tombé, là, c'est tombé. Ah, ben ouais. Hein, il sera fini, il sera fatigué. Hein? Il va arrêter. Il faut bien l'arrêter. Parce que le mami, tu fais quoi, ça? Le steak cabri. Ah, le steak cabri, alors. Hein? Le chauffe est toujours là, alors. Ça, c'est girofle. Ben. Le girofle dedans. Il a un peu girofle. On ne met pas girofle entier, jamais. Oh. Dépend, des fois, on met des 3 grains, mais dans le rôti volaille, dans le rôti porc. Mais des 3 grains entiers. Hein? Un petit peu de l'huile. Mais mettre un petit peu de l'huile. Ah, d'accord. Mais on s'en arrête tout de suite dedans, il y a saison pas avant. On finit à saisonner. On finit à saisonner là, ma pas vu moi. Ah ouais, mais Toto, il ne dit pas rien. Lui. Donc Toto, que ça la met dedans? Sel, poivre, poudre de manioc. Alors, que ça la met dedans? Ah, vous faites secret tout seul ou là hein? Non, mais non. Vous faites secret tout seul. Hein? Donc, avec du sel. Voilà, un petit peu de poivre, girofle. Poivre, girofle. L'ail. Ouais. Avec celle-là. Et un petit peu de sel, gros sel alors, hein ouais. Un gros sel dedans comme ça, hein ouais. Ça en plus, pas d'huile, de l'huile de marmite. La bonne croix de la marmite, c'est bon. Ben voilà, c'est tout, hein. Là en faisant comme ça, il ne se dira pas un peu les crocs de mouillard. Non. Hein. Faut passer au dernier moment, hein. Ah, quel problème. Ne m'inquiète pas. Bon. Est-ce que le temps après pour rajouter d'ailleurs après, après. Je vais mettre après. Ouais. Mettre après. Oh là, tout dedans comme ça, ça passe. Qu'est-ce que c'est tout en après ça, non? Ouais, mais de toute manière, là, ma fille Diao. Ouais, quand il y avait dans ma ramette, il cuit. De fait, là. Ouais. Il est là pour chauffer. Il est là pour chauffer. Ah oui. Il est là pour cuire. Ouais. En tout cas, tu peux lui donner bien paquet là-dessous, là. Hein. Ah, ben. Il est bon, là. Prenez le fait de bois, c'est le meilleur. C'est le meilleur? Le meilleur. Voilà, un petit peu le teint. Là, après le couvail. Après le couvail, on laisse cuire un peu. Hein. Voilà. Comme un rôti presque. Hein. Ben, ça la boue. Mais comment on fait trappe des crevettes de mer dans une rivière? Impossible. Hein. Donc ça, c'est des crevettes qui étaient pêchées du côté de Sainte-Rose, un petit peu de l'autre côté là-bas, hein, dans le sud sauvage. Hein, ils appellent ça des camarons royales. Hein. Il y a un petit peu pareil des camarons arc-en-ciel, mais le pêcheur ce matin, il a dit comme ça. Non, il appelle pas arc-en-ciel, ça, il appelle royal. Hein. Bon. Il fait pareil, là, il nettoie comment là. C'est l'expression créole ça, hein. Ah, comment vous ne prenez pas l'école là? Qu'est-ce qu'on a d'autres têtes là? Regarde le caviar. Ouais. Mais normalement, peut-être que c'est... Enfin, vous ne connaissez pas si la saison, s'ils vendent, je veux dire que c'est la saison, hein. Dommage. Hein? Oui. Parce que nous, achetons ça avec des professionnels, hein. Mm. Hein? Vous ne pas toutes, mais il y en a quelques-uns, peut-être, un petit peu de... Alors, devrait demander à la mère de la tête. Peut-être. Mais longtemps qu'on est les bonnes parents, c'est tout ça même. Quelque chose que ma mère, le mari, ne pousse pas. Elle dit, vous avez la mère de tête pour prendre chez vous. Mettre le pain humide. Ah. Le compas. Là, tu nettoies les comme ça, hein. Mm. Mais Nafé, moi, ne nettoie pas comme moi. Nafé, ne nettoie pas, cochon. Ah, il faut nettoyer. Hein. Mais pas bon. Non, mais bande de boules sont en dehors, banane, ne nettoie pas, autre. Ah, bande de boules sont dehors. Ouais, en dehors, de l'autre côté. Mm. Ben, on est en dehors. Ça tombe dans, nettoie, autre. T'as même pas encore la question, Judith.
Ça demande ici Nicolas et la tête. Hein? C'est bon? C'est bon. Et voilà Toto, après 30 minutes de patience, hein? Tout le camaron est propre. Hein? Voilà. Ça, c'est... Allez bien, propre bien. Hein? C'est tout le temps. Ça, tu aides ton papy? Ah, c'est bien. Alors, Bernard, comment est-ce? Vous êtes de retour? Ben, il faut travailler un peu le matin avant. Hein? Travailler un peu avant, parce que si tu ne travailles pas, ils m'ont pas volaille. Ils m'ont pas volaille. Ben. Là, après, avec le couvre-feu, là, le soir, comment il fait pour travailler là? Ah, ou qui travaille jusqu'à très tard le soir? Mais non, là, mais on a laissé passer, moi. On a laissé passer, alors. On a laissé passer par rapport aux médias d'astreintes. Ah, pour les d'astreintes, obligé d'être d'astreintes. Ben, hein, on a laissé passer, préparer et tout. Donc. Mais la fois d'abus, on a laissé passer, non? Non. Non, seulement quand on a un appel d'urgence. Ah, d'accord. Alors. Hein, sinon, on ne saute pas n'importe comment. Mais bon, hein, hein? On a vu que ça va n'arriver qu'une aujourd'hui. Ok, regarde, j'en alors. Hein? Viens voir le camaron parisien, là, parce que là, Toto, ça fait les grains, hein, voilà, hein. Et ça, c'est des grosses camarons de mer. Hein. C'est une nettoyée. Tu le nettoyais tout, hein. Nettoyé tout. Tout est nettoyé. Et viens voir là, donc, celle-là, viens voir là, donc, celle-là. Hein. Là, on voit pas l'île, hein, mais là, qu'on regarde, l'île, hein, elle est chaude, elle est chaude, attends un instant, hein. Attention, là, si vous voulez, hein. Ah, voilà. Mais on peut profiter, c'est bon. Un petit bidet aussi, là. C'est le bon steak cabri. Là, mettre un petit peu de l'eau, hein. Toto, dis pas moi, hein. Est-ce qu'on va mettre un peu de l'eau dedans, Toto, hein? Là, tout le monde ne connaîtra pas quand même, mettre un petit peu de l'eau dedans. Hein? Un petit peu de l'eau, hein. Mais bon. Et là, ça, c'est pour le machin, un api, l'ail, piment. Gingembre. La dernière, j'ai un gingembre avec piment. Il y a que gingembre piment, non, hein? Piment. L'ail, il fait à l'autre côté. L'ail, là-bas. Ah, l'ail, il fait là-bas. Hein? Et bien, on profite de faire un petit piguet à Pontalba. Pontalba. Saint-Leu. Hein? Sa famille, tout. Hein? D'accord? Les bons, un petit bonjour parce que Banal regarde à nous tout le temps. Et Banal, les fans de Canal. Mais là, dis-moi sa famille Julie. Oui, prétend, la fille à Diamant. La fille en stage. Mais Julie va arriver tout à l'heure, Djali. Les bons, les ok. Bons. Ok, allez, alors. Allez, salut. Là, Toto, t'en fais casser un petit peu le grain. Hein? Il a de l'ail dedans, de l'huile dedans. Et donc, Toto, ça invite, il connaît. Hein? Il ne pète pas les temps, il attend pas. Il est valable qu'on espère cuire, moi. Ouais. C'est des laitons, un petit peu, là, non? Ah oui. Mais va changer peut-être. Hein? Bon, là, Toto. Mais là, ça vous fait un fracas ou de grain, parce que dans notre fracassage de grain, nous connaissons déjà que c'est le mettre. Hein? La l'ail, la d'oignon. Hein? On met un petit peu de poivre. Hein? On met le thym aussi dans le grain. Hein? Oui, le thym aussi, bien sûr. Hein? Et surtout de sel. Hein? Sel, poivre, l'ail, d'oignon et le thym. Hein? Il y a un petit peu de monde, il met de tomates comme moi, il met un tomate, on ne met pas. Tomate? Tomate dans le vin. Ah, peut-être, mais il ne jamais mettre. Jamais mettre? Non. Oui. Comme quoi? Ah. Ou comme l'a dit, il y en a de la cuisine un petit peu partout, hein? Ah bon, regarde, dans le film. On nous apprend, hein? Ah, où ça commence à ce tomate? Ma game, c'est travail fait. Ah, au couteau midi, hein? Ah, au couteau midi. C'est bon? Pas de bon. Je vais pas bien. Parce que. Je mets pas les parois, c'est pas bon. Après, t'allais avoir un petit chenille, un petit truc dedans, en plein milieu. Non, c'est ni pas grave. Hein. Tu es tout tes microbiens de corps. Ah, ben. Mais bon. Un peu de grain, un peu de thym. Et là, on va faire un petit peu de feu. Tout ça là, goût de grain dedans. Des haricots rouges aujourd'hui. Hein. Ouais. Les haricots rouges, il va bien avec cette là. Hein. Ouais. Un petit peu l'eau pour cuire le grain. Et puis les bons là, ça lit tranquille là. Hein? Là, c'est tranquille. Là. Les bons là, les bons. Ouais. Les oignons. Oui, prenez la tomate aussi pour les camarons. Ça, hein. Hey, où t'en fais un ouais, tomate là, non? Où t'en fais un petit ouais, tomate dans un petit coin là-bas. Ouais. Hein? Non, en fait, c'est une rougaille tomate, parce que c'est steak cabri là. Ah, oui, c'est bien de riz blanc, steak cabri, rougaille tomate, c'est bon ça, hein? C'est ça. Bon, nous, on filme pour le truc là, non? Ouais. Nous, on fait le coton midi dans rougaille tomate, hein? Ouais. C'est un rougaille tomate toute la main, fait ça, non? C'est bien fait, hein? Bien fait. Ah oui. Salut, ben ça va, et toi ça va? Oui, ça va, moi, ben où la route, ma fille? Oui, mon cher, mais t'inquiète pas, j'avais des petites choses à faire, mais là c'est bon, je suis là, je suis toute oui. Oui, d'accord, et non, naturellement, quand tu as fini. Ben pourquoi j'arrive à point nommé là? C'est pas terminé, il y a encore les choses que. Laver avec camarons pour nettoyer tes rodeaux là. Ah d'accord, non, mais moi nettoyer. Tu fais la rodeau pas trouvée. Non mais ça. Laver les entrées, la rodeau là pas trouvée. Ah bon tout ça? C'est bien l'ami va que j'allais bien accompagner là déjà trois. Mais là il s'est cuisiné dernier instant, mais il vient cuisiner avec elle.
Ben, Alain, il n'est pas encore arrivé. Non, ben, il va prendre le train en route. Hein. Ben voilà, je ne suis pas la seule, alors voilà. Tu vois. André aussi. André aussi. Hein, voilà. Voilà, Ariel, hein. Michel et compagnie. Voilà, voilà, donc, c'est super. Et Francis aussi. Avec, ben alors, non, ben, si. Alors, on n'est pas en retard, on l'a vu. Il va là tout vous le faire. Alors, on l'a vu, Béana. Ouais. Mais il n'est pas grave, hein. On a encore des choses à hacher, je vois. Donc, je vais venir et je vais monte assister mes amis. Montre-toi joli, hein. Alors le stack il continue toujours, hein. Ouais, même petit feu. Même petit feu, hein. C'est bon, alors, c'est petit feu. Ouais, où ça, Julie, ça va? Alors que la betteraille pouffée. Ouais, reviens, loin. Ouais, reviens. Donne-lui un peu de travail, donc. Hein, oui. La main là, la épine dessus. Ben, la des poils dessus. Agathe aussi, ça va. Et ça va te carrer sur le kiosque là-bas, allez. Non. Et dans le goût de tomate, tu peux combattre de sel? Non. Moi, je te dis pas de sel, hein. Donc là-dedans, la veille, tomate, piment, gingembre aussi, hein. Gingembre, un petit bout de gingembre. Gingembre aussi, oignon, cotomili, et puis de salade, hein, c'est tout, hein. Voilà. C'est un petit rougail tomate, ça. Vous voulez goûter? Ah, c'est bon, mais laisse mon bouche tout à l'heure. Hein. La bouche là, hein, ça, c'est pareil, un gars à l'auto qu'on vient acheter ça. Il use pas, faut pas user trop vite. Attends le bon moment. Écoute ça, hein. Eh ben. Un petit, comment on dire ça quand il est 18h le couvre-feu là, ben bon courage à tout le peuple à Réunion, hein, c'est bon, tout, hein, pour le couvre-feu à 18h, le soleil pète encore 18h, comment il fait là? Mais on connaît pas, c'est un zil là pendant 3 mars d'ici la place, parce que si on marche d'ici ou à 6, on gagne le Covid. Ah bon? L'interdit en ce moment. Ah bon? Garde, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne vont pas rien. Mais d'accord, ok. Bon? Mais là, comment ça fait pour travailler, nous, là? Parce que à moins on commence à travailler généralement à partir de 18h, moi. Ah bon? Bah oui, c'est quand même. Mais on a laissé passer, client, là. Là, on est assis tranquille dans mon bureau, puis jusqu'à un peu tard, on travaille. Mais là, comment il fait? On a laissé passer, non? Vous, on a laissé un passer, gros là. Entrepreneur comme on a laissé passer, on a tout. Ouais, là, ça m'a passé. Ah, mais bien, il on est un peu les plus gros que moi, on a vu quand ça arrive aux autres là-bas, là. Ça arrive tout, ouais. Ben, oui, mais là, quand on est trop gros, c'est pas bon, hein? Non, mais on est honnête, ou... Oui, bien sûr, ouais. Honnête, ouais. On n'est pas comme Banao. Ah, bon. Ouais. D'accord, alors, les hein? Okay. Qu'est-ce que vous dites? Donc, ben voilà, là. On va mettre le camaro sur le feu, ça fait rougir un petit peu. Non, j'ai hein? Jamais, oui. Hein? Bah, tu vas mettre un petit peu de sel dessus, ouais. Dedans. Hein? On voit le sel, là, Michel, gros plan sur le sel. Et la vidéo, elle là. Reste mon marco de yaourt, hein, parce que sinon, ça, on dit pas moins, ouais. Là, où ça fait une changer de couleur, hein. Ah, mais... Oui, ça fait des années, il est rouge, hein. Ben ouais. Et d'ailleurs, on a le dehors déjà, là, qui commence à monter, là, hein. On a plus la coque en dala que de la chair, non? Et ça, du coup, maintenant, il dit Moudaï. Moudaï. Voilà. Ouais, quand on fait la cuisine le soir, là, jamais on a le vent comme ça. Hein? Ouais, mais... Julie, viens voir. Oui. Écoutez, il y a un peu le vent, les bons. Oh, les jolies têtes. T'as saumonnées. Vu? Hein? Comme Sandina? Saumonnée. Saumonnée. Dis-moi, on a un peu à point. De quoi? La monnaie. Ah, ah ben, on a toujours ça. Ah bon? Bien sûr. Saumonnée. Saumonnée, saumonnée. Non, la tomate toujours pour les camarons. On a de l'ail, on a du gingembre là. On a le piment à côté. Donc, on a intérêt à manger le piment là. Là, on n'a pas fait camaron pour maramaille là. Bien là. J'ai fait un petit peu pour marmaille. Ah, non, bah, non, on a trop aux épines dedans. Bah, marmaille, ce sera pas moi. Parce que ces camarons-là, les camarons, c'est dangereux. Même pour manger, les pareil, des arêtes de poisson, hein. Vous l'avez vu comment, la, déjà, picou de main. Hein. Ah, picou de doigt. La picou de doigt, hein. Tu vois. Ouais. Sinon, il marche. Sinon, 2 euros. Pas cher, hein. Pas cher. Non. Dans le confinement, ici, qu'on va finir par 4 euros. Ça, c'est le safran rien, la tête basse. Ben, qui, vous, sait, qui sait, qui sait, qui sait. Comme avec. Eh, vous connaissez qu'on n'a que 20% de safran que nous consommons qui vient de la Réunion, hein. Ah bon? Le reste vient de Madagascar, hein, le curcuma, hein. C'est vrai. Ah ouais. C'est vrai. Faudra nous rendre un petit plateau comme les Indiens, là. Faut nous craser un ami. L'ami, ouais. Hein, d'accord, alors. Pour moi, c'est tout, puis c'est au pied des cas, on a beau copain. Ouais, hein, mais c'est tout, puis ça l'ami, non? Il trouve plus. Il trouve encore ça. Il trouve encore, il trouve. Ouais. Les bons là, là, on fait bien revenir. Allez, là, hein. Non, mais ou on lave de l'eau. Les allées, les roses. Les allées, les roses. Ouais. Les roses. Ou attendez un peu maintenant. Vous voulez bien reposer ou attendre? Ah oui, il est bon, hein. C'est bon.
bon. C'est Toto les rapides, regarde ce qu'il fait mettre dedans, là, Toto. Hein, Bernard, vous l'avez vu comment Toto les rapides, là, hein? Ah, là, fait un petit peu sans piment à côté, hein. Souvent, il va y aller rapide. Ben ouais, là, il faut mettre l'ail dedans, il faut mettre piment dedans, il faut mettre gingembre dedans, il faut mettre le safran dedans. Hein. Mais donc, en fait, personne n'a appris sur la cuisine facilement, est-ce que hein? Avec Toto, il est facile. Ah, Toto, ouais, avec lui, il n'a pas trop de sens. Il trappe l'arc dedans, ouais. Lui. Il trappe, hein? En replay. Hein, et là, le thym dedans, hein? Regarde ça, comment il lag, ça, hein? Comment on dit ça? Oh, monsieur Clam. T'es à ce plat, là. Donc, Toto, lavez l'ail, lavez gingembre, lavez piment. Hein? L'avez poivre pas mettre? Non. Parce que la piment mettre pas poivre. Et après le curcuma, hein? Le oignon pas mettre? Si. Vous avez des oignons là? Non. On m'a pas mis des oignons là? Ah ouais, pas vu. C'est les... Pourquoi mettre des oignons là? Ah ouais, la mettre des oignons. Mais à quel moment il y a mettre ça là? Bernard, on m'a pas vu moi? Ben il met lui. Il met lui? Ben. Ben il a roussi. On le met tout dedans en même temps, mais quand la roussi est lui. Aussi. Quand la roussi, on met des oignons là. Ah, ben coup, faut lui faire attention parce que là, on a ce gré, ouais. Ah ouais. Ben ouais, on connaît le secret de Toto. Mais il est beaucoup moins bien. Il a ce gré, il y a. Il a pas bobé de monde, il a fait ça avec la tête comme ça. Avec la tête comme ça. Ouais. Hein? C'est trouvé une solution pour ça, en fait là, un joueur fera des cas, un affaire sous dedans. Non, mais quand il passe cette lavande à nous, ça, il fait une intervention à la de la semaine. Ah, ben hein? Bon, voilà, pour déboucher. Hein? Nous, assis, oui, oui, non, parce que en fait, ah, voilà, tomate maintenant dedans, hein. Parce qu'en fait, là, quand il fait bouillir des trucs dessus, là, il tombe sur le feu, après il bouge tout. Voilà. Et comme c'est un peu professionnel, donc apparemment, il faut entretenir. C'est comme acheter une photocopieuse, ça. Ouais. Hein, il faut faire un entretien avec. On l'entretien. Voilà. Parce que ça, franchement, c'est un super truc, hein. Ah ben ouais. Ah ouais. Mais quand on fait bouillir l'affaire dessus, là, quand il tombe dessus, là, hein, on l'ennuie pour déboucher. Peut-être qu'il faut bien veiller. Voilà. Et Toto, prochaine fois, quand on fait bouillir l'affaire dessus, là, déjà dit comme ça, là, hein, veille bien, laisse pas bouillir. Laisse pas bouillir sur le feu, hein. Voilà. Là, il a des petits trous, les bouchers. Ben là, on est encore vivant, là, le bonnes affaires de bout. Il debout. Ouais. Ben, les antennes. Les antennes debout. À quoi vivons? Et là, au coup, Bali. Un petit peu d'oignon. Ben, on va le mettre aux tomates. Ça, c'est pour mettre dans le steak. Ben. Un petit peu d'oignon, un petit peu de tomates dedans. Voilà. C'est encore un steak, ça, bien carré. Ouais, un steak qui met tomates aussi, alors? Non, mais c'est la façon ils mettent, ouais. Le technique, parce qu'il n'y a pas tout de monde qui connaît ça. Ah bon? Comment on a fait, il faut vraiment les goûts. Vraiment un steak. Ah bon, quoi? D'accord. Alors. Bon, s'il a un goût steak, il faut mettre joignon, tomate dedans. Alors. Bon, enfin, joignon, on me connaît, mais tomate. Non, la façon de ça mettre tomate dedans, hein. C'est pas roussi le tomate, là. Hein. C'est le tomate sur un. Donc, il faut m'y veiller bien Toto, voilà, parce qu'il capte veille en mettant garde de l'autre côté, là, le tomate voilà, dedans. Voilà, là, voilà. Hein. Ça, non, il veille tout, hein. Vous avez dit, Toto, pareil, Platini. Ben, il m'a le bis sans attendre. Fait un peu bien de coq, ça. La couleur ça a changé. On aura un peu la sauce aussi dedans. Ben ouais. On va ajouter un peu la sauce aussi. Hein. Ben voilà, comme il parle de sauce, elle est là. Elle est là la sauce. Nous les ados, c'est suffisant ça. Ados, c'est suffisant. Ah oui. Et le voilà pas bon, hein. Il machin rien. Ça va plus loin que ça. Donc pour le steak, on coupe le tomate plus gros comme ça. Alors, on coupe pas les en fil morceaux, un petit peu plus gros. Hein, ouais, parce qu'il va cuire dedans en même temps, il y a non. Ah ouais. Oui, la technique. La technique alors. Hein. C'est pas moi qui rajoute des tomates dans le steak de cabri. Si, il rajoute. Ouais. Des petits. Des petits. Bande de bonnes regards à nous là, bien suivre la recette là, non. Hein. Et vous êtes pu faire un replay parce que s'ils n'ont pas vite trop vite à remettre en arrière, break, ça tire trop vite. C'est bon, ok. Ouais. Et Nadomoun, il fait le steak là, quand il fait le steak, il fait pareil tout là, il prend cresson. Hein. On voit cresson là, hein. Il pose des ici comme ça, hein. Il pose des après il retourne des la cresson dans la cour, hein. Mais ils ont dit, vous mettez un. Et bon, vous avez tout à manger, tout ça, le bébé, vous gagnez. Non, mais pas là où comme lui, de toute façon, c'est de toute façon de faire. Même un steak porc aussi, pas de cresson dessus, hein. Voilà, elle est bonne là. Ben Julie, vous l'arrivez alors? Oui, vous le mettez sur les côtés, bien sûr. T'as pas mis bien, juste pour veiller au moins, c'est tout. Ben d'accord, au Platini aussi ou alors? Toujours mieux. Ah, aussi un Platini. Vous connaissez pas Platini? Je connais pas, c'est quoi un Platini? C'est un grand joueur de football, Toto. C'est vrai? Il connaît pas Platini. Il connaît pas Platini. Il y en a, mais je vais essayer. Attention, hein. Ça se voit, hein. Ouais, Neymar. Non, Neymar pas trop, mais Platini. Là, il y a un peu la coquille. En plus, je connais pas si un coup de tête.
Un bi, nous connais pas comment on fait. Ah, moi aussi, je sais pas. Hein? Je sais pas, faudra voir, hein, parce que... Non, comme la tête, il change tout le temps, donc le ballon, il reconnaît plus la tête. Ah, la tête, non, 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 n'inquiète pas, la tête, il change, ça, c'est... J'adore ça, moi. Ah bon? Il faut. Ben, maman, t'as un petit peu d'ailleurs, comment faut changer de tête. Les bons, d'accord, alors, les bons, ok. Laisse mon tête comme il est, les bons, là. Ah, mais non, t'es trop beau, ça, inquiète pas. Les bons, ok, alors. Hein? Ben, goûter, goûteuse. C'est bon? C'est bien épicé. Ah, super. Andina, tu as vu la belle couleur là? On l'a vu, ici, c'est, ah, c'est les dames qui goûtent. Toujours, hein, toujours. Hein, attention, ce qu'on dit, madame, filmez, moi là. Ah. On comprend. Hein, là, dit comme ça, ça ressemble bœuf. N'importe quoi, Toto, hein, c'est du cabaret. Eh, on va faire un gros plan là. Julie, joli coco. Mais où la ramène mange bœuf, comment on peut savoir que ça aime le bœuf? Ah, ben, bisous à Coco. Parce que j'ai pensé à Coco, bisous Coco. Hein. Ah bon, d'accord, ok. Voilà, et là, ça rajoute de la tomate dedans avec des oignons. Des feuilles, ça m'a pas dit des feuilles. Ça m'a... Ouh, Toto, arrêtez, ils n'ont jamais trop longtemps. Hein. Ah, il fallait pas déveiller, il fallait pas déveiller. Pas grave, Toto, crie pas, t'es arrivé. Bon, bah, on peut pas lire un petit morceau. Toto, là. Toto, arrêtez, bébé, alors. Il va, ouais. C'est quoi bouillon moule tanin? C'est pas mal, c'est pas ça. Comment ça, le bouillon moule tanin là? Ben la son. Bon, la son, vous connaissez? Ben, elle appelle ça bouillon moule tanin. Ben, je connais son manier, vous connaissez pas. Non, bien, on va dire ça comme ça. Julie, elle dit conseil mettre dans le bouillon la son. Il faut mettre la racine feuille 5 millième là. Comment on appelle ça? Cotomili. Il dit, c'est pas, il me donne le goût. Il est vrai, hein. Il donne le goût vraiment. Ah, mais adore. Ah bon? Ah oui. La racine cotomili. Bien sûr, ça donne du goût, c'est ça. C'est pour ça que cotomili, quand ils vendent, a toujours la racine. Il a toujours la racine. Après, la valise bien propre, ouais, chalit finement. Et PSI, après la racine. Ils ont ouvert pour la racine. Ça dépend. J'ai pas fait attention. Non. Non, jamais. Ben, c'est, ouais, mais après, personnellement, tu as la petite branche qui dépasse. Oui, Krishna, il connaît très bien. Krishna, c'est vrai ça? C'est quoi? PSI, pour la racine. Cotomili, la racine. Mané, il faut pas dire, fait du paquet. Cotomili, il est dans la racine avec les oignons verts. Pourquoi? Ben, c'est, les gens, ils peuvent, pour cotomili, là, on peut mixer pour faire la viande grillée, quoi, pour préparer une préparation de la viande grillée. On mixe la racine? Là, il est bien propre, ce moment. On mixe aller. Mettre de la préparation et puis on peut mettre un peu dans la ration aussi. Ah bon? Ben, c'est pour ça qu'ils vont planter, ils vont naître toujours avec la racine de cotomili. Ah ouais, d'accord. Tu connais bouillon moule tanin? Oui, ça veut le nom malba. Ah bon, c'est le nom malba vraiment? Donc ben. Bernard, tu connais alors? Oui, habillé malba comme nous, on est malbarré même. Tu vois? Alors, allez, bon, alors, ok. Jean-Claude, mais attends, Julie, t'as l'air dit comme ça, il adore. Mais qui ça ou adore plus? Eh bon, Dieu, t'es ah, non. Maman, papa. Non, ah bon. Madame Pita. On ne peut pas adorer, bon Dieu. Bon, Madame Pita. Madame Pita. Comment il dit Baoudji? Baoudji, t'es papa. Excuse-moi, Baoudji. Soit tu ris dans ta. Mais parle pas ta moule, moi. Bisous à ma tati Gopali. Baoudji. Bisous à ma tati Gopali. D'accord, j'ai bien entendu appeler Baoudji. On a dit un peu, mais il connaît quelques petits mots comme ça. Des petits mots là, ouais, quoi. Homse Piare. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon amour, comment dire encore mon amour, c'est en pierre même. Non, attends, Moutia Chati Korogi. Allez, on déposez mes diaos. Moutia Chati Korogi. Ah bon, d'accord, là, allez, bon, là, ok. Bon, oublie, d'où les gars, bon, pêche, il t'amour. Exactement. Papa a dit Moutia Dosti Korogi, là, il m'a dit Moutia Chati Korogi. Bon, d'accord, d'accord. L'école, ils apprennent pas, hein? Hein? Non, non, mais présente, voilà. Parce l'école, ils n'apprennent pas, c'est-à-dire. Non, mais comme elle a longtemps, comme maman. À l'école, connaît... on ne donne pas les cours d'hindou. C'est pas c'est ça, sûr, hein, c'est comme après, maman. Après, tu peux l'apprendre. Tu n'apprends pas le saut, tu gardes rien que télé. Tu connais ça toute bonne film longtemps, là. À l'université, oui. Maman, ils n'apprennent pas l'école. Enfin, l'école, ils n'apprennent pas. Oui, mais là, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, c'est sûr que dans les films, quand tu regardes des films en anglais, en espagnol ou en hindou, c'est super parce que tu apprends des petits mots comme ça. Tu as un petit lexique que tu peux faire, que tu peux composer et après ben, tu peux faire des petites phrases tranquilles. D'accord. Namaskar, namaste, merci, c'est... Mais le duet, ben, maman, il fait le son avant, après il regarde la télé. Oui, tout à fait, hein, bien sûr. Avant, faites vos devoirs et après, vous regardez la télé. D'accord. Voilà. Ça, longtemps, la réunion était comme ça. Oui. Longtemps, la réunion était comme ça. Avant de manger, vous faites devoirs, vous faites tout. Mais bien ça sûr, moi, de moi, ça a toujours été comme là, ça. Comme là, il n'existe plus parce que comme là, c'est un autre monde. Oui. Comme là, c'est un monde rapide. Shukriya. Voilà, ouais. Un petit bras de mots. Shukriya, c'est quoi? Shukriya, c'est merci. Merci. Mais après, tu as différents langages pour les différentes régions en Inde. Hein. Ouais. Oui, quand notre guide l'avait causé, c'est combien de talakias nous l'avait? Combien de langues? Plus de 300. Ouais. Donc, il y a quand même pas mal de dialectes après, pas mal de langues qui sont parlées. Ouais. Donc, voilà.
Pour apprendre tout ça, ça fait un petit paquet. Mais l'hindou reste la langue généralisée. L'hindi. Ça, c'est super qu'on est bien cultivé. Hein. C'est un grand affaire. On peut bien faire pousser nos verres. Voilà. Hein, qu'on est bien cultivé. Yeme la hindi ahe. Yeme la hindi ahe. C'est mon Inde, c'est mon pays. Ah, d'accord. Mais t'es à La Réunion, là? Ben, La Réunion aussi, c'est mon pays. Bon, allez-moi, voilà, mais ça va, moi, parce deux. Que mais dans une émission de cuisine, de alors on a l'impression que dans une émission. Culturelle. Linguistique. Hein? Culturelle. Oui, culturelle, oui, culturelle. D'accord, aussi, d'accord. Culinaire, bon. Culturelle. Bon, les deux à la fois, puisqu'on peut le faire, hein. Mais ça va, Toto, sinon, là, il fait un misoupi, hein. C'est là où on a rajouté un peu de tomate dessus, on va mettre le bras dessus comme ça. Ça laisse aller cuit comme ça. Laisse cuit comme ça, alors. En fait, le secret d'un bon steak de cabri, c'est la cuisson. La cuisson. Il faut faire comme tu allais, oublier l'idée quoi. Oublier l'idée. Hein. C'était fait, cuit l'idée. Mais bon, hein, Julie, vous avez le secret d'un bon steak de cabri. De cabri. Hein. Il faut le steak, hein, ou assez bonne, on met dans le feu, hein, avec un petit peu d'huile. D'accord. Et ensuite, tout mettre sa cuisse, bien sûr, et oublier l'idée. Et tu l'oublies. Tu l'oublies. Ça va être difficile quand même de l'oublier sur la mesure. Ben, c'est oublier l'idée, parce que ça, il faut cuire. Ouais. Hein. D'accord. Il faut de la cuisson. Ouais. Et donc, c'est vraiment à la fin que tu rajoutes les oignons oui, et la tomate. Voilà, hein. Voilà, les oignons et la tomate, juste pour qu'ils puissent cuire un petit peu avec. Hein. Ouais. Regarde là, le camaron, l'a fini. Ouais. Hein, un petit peu des oignons verts par-dessus. Hein, Toto hein. Et un voilà. Petit peu cotomidi aussi. Hein. Voilà. Et bien, voilà. La mamie de Toto qui s'est fait. La marmite de Toto, lequel? Là. Ah d'accord. Ici? Oui mais ça c'est le petit camaron sans épices. Hein? Voilà. Sans épices, sans piment pardon. Oui. Sans épices. Parce que carré, camaron, faut quand même avoir des petites épices quand même. Hein. Sans piment hein. Voilà. Bernard, est-ce bien catholique de faire comme ça? À mon avis, c'est super. Vous connaissez, bon, mais c'est tendre, banane galée. Banane galée. Un petit peu de temps, c'est tendre. On a 40 ans, on avait galé la Réunion. Maintenant, tout ça galé, les natiers. Oui, on a 40 ans de cela, galé la Réunion. Là, la pique, elle est comme ça. Comme là, il galé, c'est ça. Ouais, comme là, il faut acheter. Déjà, pour remplir la meilleure, il faut acheter. Même pour faire un cas, il faut que ça rentre galé. Ouais, nous, là, ennuyés comme là, pour faire du remblai, nous, on est obligés d'aller acheter des galets, acheter du remblai. Comme ça. Alors qu'avant, nous, on avait toujours par là un peu de s'en récupérer. Et c'est pour ça, nous, mes grands-parents, dit comme ça, maman, ils mettent galé. Quoi, je vais servir à nous. Il sert toujours à pégaler dans les coins. Mais mon ami est mal loin. Vous pouvez faire un comblement pour qu'on mette mon souci. Longtemps, on trouve un boulon, on ramasse. Après, un moment donné, prendre des camions, vous êtes tous. Bon, ben, après, tu dois avoir vissé boulon parce que vous mettez là-bas hier. Ben, là, super sympa. Ah bon? Hein, parce que, en fait, c'est vrai, hein, vissé boulon. À Saint-Clotilde, hein? Vissé boulon. Vissé boulon. On peut trouver tous les boulons qu'on veut là-bas. Ben, un petit tout boulon qu'on veut. Et moi, m'a fait une commande, m'a oublié de signer une bonne commande. Elle m'a parti hier, pensant que. T'inquiète pas, il revient. Non. Il passe quand même ma commande. Sans le bon de commande. Allez, c'est pas là-bas, vis ces boulons, ça clôture. Hein. Faut aller faire un tour. Mais okay. Là, c'est à nous qui n'avons pas fait ça. C'est à nous qui n'avons pas, amis, donne-nous. Mais non, c'était pas à cause de moi, ça. C'était parce que Banal est intelligent. Comprends? Il connaît ce qu'il faut faire. Okay. Et là, Lituane. Hein? Voilà. Est-ce bien nécessaire d'avoir coupé les tomates en si gros morceaux comme ça? Chacun fait son manière. Moi, je dis, qu'est-ce que Banal a dit? Chacun fait son manière. Non, elle a dit, chaque madame y embrasse son mari à sa façon. Bah, bien sûr. C'est vrai? Ça, c'est sûr, on connaît bien. Voilà. Non, ou bien chaque bouc y embrasse son madame à sa façon. Enfin, mais tu connais pas combien de façons, ce moment. Chacun son façon. Vous la goûtez? Ça, c'est bon, impeccable. Mais bon, impeccable, impeccable. Et là, le tomate, il s'accueille un petit peu comme ça dedans, il y a avec les oignons. Parce que là, il faut le laisser aller encore cuit encore, là. Hein. Oui, ça, c'est un vrai steak de cabri. Un vrai steak de cabri. Et là, ça, c'est le petit crevette. Pour les enfants. Carré pour les enfants. Allez, comment il est? Au final, il vient là. Ça va, oui, mais il vient d'arriver. Eh, ouais, vite, Toto, ça fait. Oh, c'est où si je vais faire carré camaron, là? Hein? Toto, tu ne veux pas m'y faire. Ben, tu peux faire du même. On l'a dit comme ça. Moi, m'y fais tout de suite. Moi, comme ça, la finie avec ça. Il est pressé. Hein? Et là, on va mettre le steak de cabri ici. Où ça? Il n'y a pas mettre combat va aller. Il n'y a pas mettre combat va. On fait l'assassin. Bon, Alain, la prochaine fois, c'est où? Hein? La prochaine fois, magnifique. Prochaine fois. C'est bon, que ça, un caribichique? Non. Un caribichique alors? Non, ça fait cause de mou encore là. Allez, ça fait cause de mou là. Hein? Ils ont trop le bichique. Ils ont trop le bichique. Mais bon, là, ok. Bon, ben. Monte un petit coup, Alain, le carré camaron. Ah, hein, on a des serviettes de l'autre côté. Vous avez bien fait le carré camaron? C'est chaud ça. Et voilà le carré camaron. Donc c'est un carré camarade de rivière. Non, non, de mer, mais de mer de la Réunion. Le mer de la Réunion. Ben, c'est les crevettes royales là-bas. Mer de la Réunion. La mer de la Réunion. Hein. La mer, les mers. Elle n'a pas été congelée. Hein.
Il n'a pas été congelé. Frais, 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 bien d'accord, sûr. D'accord, impeccable. Jeune. Voilà. Et jeune, hein. Allez, pourtant, on le fait où là? Alors, là, nous fait un petit rougaillement. Comme si rougaillait pas assez. Rougaillement avec combaba. Un combaba, hein, voilà, hein. A où pile le combaba? Ah ben. Au pire coup, papa. Mon pilier. Et puis, on a le fournisseur aussi, hein. Chaque fois, comment elle est? Là, là. Hé, de toute façon, Gérard, après, explique à nous comment son grand-mère apprenait, comment il pile le piment. Vous avez vous sentez les yeux. Vous sentez les yeux. En gros, de manticula. Garde bien qu'on pile. Garde bien qu'on pile. Ah bon? Ahmane, quoi faire? Tu expliques là-bas? Non, ben, Toto, la partie, la pour moi, la même. Là, tu vois, dans le période confinement, on ne pas quoi faire. Quoi faire, on l'a. Attends, tu laisses la barbe, c'est tout. Ah bon? Et Alain laisse la moustache pousser. Bon, ça, parce que maintenant, paraît se raser. Non, Alain, à partir du confinement, c'est soit il enlève tout. Ah bon, d'accord. Chiant vraiment ce confinement. Alors, on connaît que ce confinement-là, on a beaucoup de manifestations à droite à gauche le soir, là, avec. Okay. Un paquet de groupements qui barrent la route et tout ça, hein. Mais est-ce que vous avez raison? Mais bien sûr, c'est pas normal, il ne fallait pas mettre ça à 18h, il fallait mettre ça à 20h. Ben voilà, tous les gens sont dans la rue encore à 6h, comment tu fais? 20h, ouais. C'était bon. Mais comment ça explique ça au préfet ou... Oh ben, il faut y écouter un peu, il mettre 20h. Mais bon, nous tout un travail à 18h, non? Ben oui. Vous travaillez encore à 18h? Oui. Prends le cas, quelqu'un qui travaille, il dit soit son rase pas à 6h. Le matin, il rentre le soir, ben, il peut descendre des courses, comment il fait? Et puis ben, il dit bon, et puis, il travaille pour qui? Pour l'État, il travaille pour l'État. Mais le virus, il ne circule pas tout le long de la journée, hein, il circule à 18h. Quand le soleil pète encore là, hein. Parce qu'on va passer un piège, un coup monté, par rapport aux vacances, ben, pour défendre le noir. Ouais, la journée où les gens dans le grand surface et tout, comment ils font? Ça circule toujours, hein? Bah oui, ça circule toujours, c'est pas à 18h. À 20h, oui, pour éviter les rassemblements, d'accord. Hein? Voilà, hein. Dans les bars et tout. Ouais. Mais 20h c'est bon, il fallait rester à 20h, pas moins. Ouais. Mais 18h c'est très contraignant. Dans son 18h. Tête pour mettre à 18h en été. C'est pas lui qui décide, c'est là-bas. C'est en France qui décide. Donc, hein? C'est Paris ça. Bon, ouais. Le Parisien ne connaît pas notre vie ici. Attention à où, hein? Parce qu'on rencontre l'ancien président à la prendre de la prison ferme parce qu'il a dit que ben, là, c'est des petits pois. La chose a dit comme ça que le préfet c'est un petit poids aussi là. Vous risquez aussi, hein? Allez, risquez pas d'un gros poids. Un gros poids. Voilà. En tout cas, nous. Il ne faut pas trop écouter les ordres de Paris. Il faut regarder un peu comment on vit ici. Voilà. C'est ça qu'il faut. Ben voilà, exactement. C'est tout. Hein? Exactement. Après, bon, c'est vrai, tout le monde a peur du virus. Mm-hmm. Qui n'aurait pensé à cette heure-ci qu'on aurait un virus, nous? Ben ouais. Ça fait 50, 60 ans qu'on n'a pas vu ça. Même plus. Tout le monde est débordé finalement. Mm-hmm. Tout le monde panique, donc c'est un peu pour ça. Dans les mauvaises langues qui disent comme ça que c'est un virus qui a été importé pour mettre en place l'ordre mondial. On va savoir. Non, c'est... non. Ça ne m'y croit pas. Crois pas. Qui va supporter un truc comme ça? Tuer des gens pour faire baisser la population mondiale? Ouais. Non, pas du tout. Qui peut supporter un truc pareil? Hein, je vois moins fort. Hein, bon. Enfin, je n'y crois pas. Mais bon. En tout cas, nous mangeons notre rougaillement ce midi. Hein? Et à Kouman, c'est où la patte mangue? Oui, mais essayez. Où le mangue est beau, les pas trop ça. Ah, ça mangue rougaille, ça? Mangue rougaille, ça, les verres, hein? Ah, son mangue le bien. Impeccable, bien et tout. C'est le vrai mangue rougaille. Voilà, hein? Et où la pile piment? Ah oui. Hein? Piment. Mettre combava. Piment et combava. Mettre combava alors. Oui. Donc c'est un rougaillement, piment, combava. Voilà. Ah ben les gars, alors. Hein. Allez, on goûte. Et là, il donne le goût. Quoi? Combava dedans. Là, il faut. C'est bon? Ok, alors. Tu essaies de grimper? Hein? Là, j'essaie de monter sur la chaise. Ah, tu essaies de monter. Aussi? Oui, on va manger. On va manger. Julie, on va manger? Pas d'appétit à tout on va commencer par le petit entrée qu'on a fait avec Angela Davy, hein, c'est oui, ça. Voilà, hein, elle dit ouais. Pas attendre à moi. Non, on a préparé toujours pour toi. Ah, c'était une petite surprise. Voilà, une petite surprise. Hein. Et en plus, on va manger. Sensation. Ah oui, sensation. Ah oui. Bien fait, relève. Attends, Miguel calcule. Ah voilà. 2 mètres. C'est bon, bien, on va manger. Allons manger. Hein? C'est pas bien, hein? Le steak cabri, hein? Je pense qu'il y est cuit? Ouais, il est super cuit. Les cuits, hein? Les moelleux. Vous l'avez goûté? On a goûté. Avant de le goûter, les bons. Avant matin, les bons. Ah, d'accord. Après, maintenant, je ne vais pas donner tout le monde. Ben voilà, hein? Et le rougail, la coque?
C'est un gars la coque parce que on a l'impression qu'on a plus de tête que de queue. Non, 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 bien entendu, non, autant de tête que de queue. Oui, oui, ouais, il faut aller rôder, je crois. On dit là, on est plus la tête ou la queue. Non, mais regarde ça, c'est un carré la tête, la coque, ça. C'est un carré la coque. Regarde ça. Julie, viens voir ça. Oui. C'est pas un carré la coque, ça. C'est un carré de coque. Ben oui, regarde ça. On dirait qu'on a plus de coque que de ouais, viande. Mais en fait, si tu fouilles bien, si tu tournes un petit peu, tu vois que c'est secret, le mystère de Toto, hein, qui s'illustre parfaitement au travers de son carré. On voit que tu as la tête au-dessus et tu as tout le corps en dessous. C'est ce qui fait le mystère de Toto. Toto, t'es où? Bon, Toto aussi a disparu, c'est le mystère de Toto aujourd'hui. Hein. Toto is lost. Is lost. Elle dit Toto is lost. T'avais perdu. Bon, ben allez, on va manger. Voilà. Bernard, est bon? Ouais, super. Allez, Bernard, on y va. Bravo et bravo. Bon, gros bisous, Edwige, parce que Edwige n'était pas là ce midi avec nous. Edwige, la prochaine fois, tu te rattrapes. Hein. Gros bisous, Edwige. Et donc, le rougail tomate, l'a oublié. Satini. Pomme d'amour. Ouais, il n'y a pas un peu mauricien sur les bords, là. Il manque un petit peu. Non, gros bisous, les mauriciens. Mais moi, il manque pas moins mauricien. Ah, moi, il manque un mauricien. Ah, bien sûr. À nous, il manque pas moins. Depuis maintenant, à nous, il manque pas moins. D'ailleurs, on fait un coucou à nos amis. La famille, ça n'a pas. Non, mais maintenant, il n'y a pas garde à nous. La pique à la loupe. C'est pas mauricien à la mettre à nous dehors. C'est notre patron. Attention, hein. Les mauriciens, gros bisous à Zot, nous y aimons. C'est notre patron. Qu'importe. Le gouvernement, peut-être, il est mal fait, mais bon, qu'importe. Ah, gros bisous à tous les mauriciens. La vie à nous, la vie à Canal Austral de Maurice. Nous va revenir bientôt. Il faut changer de président. Il voilà. Faut changer de politique. À moi, en tout cas, Mia Maurice. Mia Mazot. Non, voilà. Inquiète pas, ça a changé là. Voilà, ça a changé. Zot, là. Eh ben, nous parle de Toto. Toto l'a réapparu. Le mystère de Toto est là. Mais Toto, il y a pas de là, c'est Toto qui commence. Toto, rien de. Enfin. Bon, bon appétit. Bon appétit tout le monde. Voilà. Dina, c'est à toi. Là-bas. Là, tu veux pousser les. Ah oui. Mon bas, qu'est-ce que t'as pris? Ah, parce que Krishna a préparé gentiment. Oui, parce que quand il enlève les os sur la hanche du cabri, il a fait un petit massage avec. C'est pas ça. C'est là-bas, là de côté. Mets à l'intérieur. Tu as ramassé pour moi? Oui, voilà. Un petit peu de massage avec cabri. D'accord. Hein? Pour Toto, faut recommencer, hein, c'était cabri, Toto, pas bon? Faut recommencer. Manque un peu de goût. Faut recommencer, hein. N'est-ce pas, Antoine, mais bon? Pas très bon. Non, on recommence. Je vais recommencer avec d'autres têtes. Et notre cabri, pas le même. Pas le même, voilà, elle est bon. Bon, ben allez, nous retrouvons la prochaine fois, alors. Allez, bye. À bientôt.